Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. Donc là ça fait depuis hier qu'il pleut, et franchement il fait vraiment pas chaud. Là je suis avec ma petite veste et tout, tranquille. Et là voilà la piscine, très tôt le matin. Donc c'est ma dernière journée et je vais en profiter en maximum. Donc on va faire du toboggan. Il y a pas mal de toboggans, il y a au moins 7 ou 8. Et il y a aussi une cascade, mais hier je l'ai testée, franchement. On dirait une gamine de 15 ans, franchement. C'est une cascade, mais c'est très long et franchement, c'est vraiment très agréable pour les grands, pour les petits. Donc là, on va aller faire un petit tour à la piscine, et ça va être vraiment génial. Ce qui est bien, c'est que c'est une piscine chauffée. Elle est à 25 degrés, c'est vraiment très agréable. Et ce que j'ai pas dit la dernière fois, je sais pas si je l'ai dit ou pas, il y a un côté, donc c'est un dôme, c'est recouvert, hein, il n'y a pas de soleil qui tape, vraiment vous pouvez profiter toute la journée, il n'y a pas de problème. Et c'est gratuit, la piscine c'est gratuit toute la journée, de 10h à 20h du soir. Et on a aussi un côté pour les personnes qui souhaitent bronzer, parce qu'il y a des personnes qui aiment bronzer, donc il n'y a pas de souci, il y a un côté où on peut mettre sa serviette et bronzer tranquillement, c'est ouvert en fait. Et voilà, là on va faire un petit tour à la piscine d'abord et après on verra ce qu'on peut faire. Donc toutes les activités c'est payant. Il y a pas mal de jeux, il y a pas mal de choses. Franchement, si on a un petit budget, on peut se faire plaisir, surtout pour les enfants. Il y a aussi une aire de jeu avec du sable en fait. C'est un toboggan, balançoire. Ça, c'est mes enfants, ils adorent ça. Surtout jouer au sable. C'est dommage, j'ai pas ramené avec moi le seau. Vous savez, le seau avec les petites pelles et tout ça, pour qu'ils puissent jouer, mais c'est pas grave, ils jouent quand même avec le sable. Il y a aussi un toboggan, balançoire, il y a tout ce qu'il faut. On a aussi le parcours que je vous ai montré la dernière fois, ça c'est gratuit. Donc ils rentrent dedans et c'est sécurisé, c'est matelassé en fait par terre, et ils peuvent tomber et tout. Et c'est vraiment très grand à l'intérieur et franchement ça les amuse beaucoup. Et ça c'est vraiment bien. Et les autres activités c'est payant, mais ça dépend, c'est pas très cher, comme le poney, etc. On peut se faire plaisir avec un petit budget, il n'y a pas de souci. Et là maintenant on va aller à la piscine. Je vais vous montrer ce que je vous ai pas montré. Donc là je vais vous montrer un endroit que j'ai pas encore filmé. Franchement c'est très grand, il y a que des rochers, de la verdure, c'est dépaysant et c'est agréable. Donc là on a des je sais pas, on appelle ça baby foot je pense, pour les personnes qui aiment. On a aussi billard, donc c'est payant pareil, faut mettre des pièces. Et voilà. Donc là pour remonter, même pour les handicapés, pour la piscine c'est possible pour les handicapés aussi, ils peuvent rentrer dans la piscine avec un fauteuil roulant spécial. Donc ça c'est bien à préciser. On a aussi des ascenseurs pour les handicapés. Donc ça c'est une salle pour les projections, mais c'est là ils sont en train de faire des travaux. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc très important. Il n'y a pas de machine à laver en fait, ni à l'extérieur ni à l'intérieur du cottage. Donc, ou vous ramenez, vous avez une voiture, vous ramenez une petite machine à laver portable pour le linge. Hein. Bah, sinon, vous lavez à la main. Sinon, bah, y a des personnes qui restent une semaine, ils emmènent avec eux leur linge sale. Et voilà. Nous, on a lavé à la main et ça a séché très bien. Donc là, c'est un point que je voulais vraiment préciser. Alors, un lieu que je ne vous ai pas montré, c'est une piscine ouverte en fait. Regardez le toboggan de l'extérieur, c'est vraiment super grand. Il est énorme. Donc il y en a vraiment plusieurs. Hein. Et là, c'est une piscine ouverte. Si vous souhaitez bronzer, si vous aimez le soleil. Donc là, c'est une piscine ouverte et vous pouvez mettre vos serviettes ici pour vous allonger, pour bronzer, pourquoi pas. Voilà. On a un jacuzzi ici, mais là pour l'instant c'est pas allumé. Et là c'est une piscine ouverte. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Pour les personnes qui aiment se baigner, toboggan, etc. C'est vraiment génial. Là c'est une grande piscine ouverte. Une petite cascade ici pour glisser.
Voilà, je vous montre. Pourquoi je fais ces vidéos que pour mes vacances? Pourquoi je vous montre? C'est pour les personnes qui recherchent justement un endroit comme ça, qui se posent pas mal de questions. Des fois, c'est pas évident hein, de trouver nous aussi, on a eu du mal. Hein. On a cherché vraiment pas mal de semaines, plusieurs mois, on a cherché, on a vu plusieurs sites et tout ça. Donc c'est important de montrer et de partager pour les personnes qui recherchent un lieu de vacances agréable. Voilà, là maintenant je vais retourner à l'intérieur. Alors à côté du pataugeoir, on a aussi ces bacs, hein, comme ça, ces sortes de parcs pour les enfants. Vous pouvez mettre une serviette ici et mettre votre bébé et vous pouvez vous reposer un petit peu. Là on a un grand pataugeoir pour les enfants, pour les tout petits. Donc là je vous montre un petit peu les toilettes, c'est vraiment super propre. Ce qui m'inquiétait moi, c'était les cafards dans le cottage. J'avais peur d'avoir des cafards ou autre chose, mais non, franchement c'est nickel, c'est propre, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut, hein, surtout pour les enfants, là c'est pour changer les bébés, etc. Donc voilà. Comme je disais, à part les moustiques, moi nous on ferme, on n'ouvre pas en fait, et franchement il n'y a pas de problème. Là je vais vous emmener dans un petit coin paradisiaque, vous allez voir. Donc là vous rentrez dans un petit tunnel et vous allez trouver cet endroit magnifique. Donc là les jeunes ils font un parcours comme ça et ils viennent juste là pour plonger et c'est vraiment génial. Donc on peut prendre des photos et tout, c'est une petite grotte et là on peut prendre des jolies photos, c'est vraiment génial. Là, je vais ressortir, il y a une petite cascade ici, très agréable. Et on a aussi une grande cascade juste là-bas. Voilà. Et là, je viens dans mon petit coin favori, avec en dessous de ce grand palmier. Très agréable d'ailleurs. Là, je me mets toujours ici, à côté de ces rochers. L'eau, elle est vraiment à 25 degrés. Voilà un autre endroit que je ne vous ai pas montré, c'est une cascade en fait et c'est très long. Franchement je l'ai fait hier, je me suis amusée comme une folle, c'était vraiment génial. Donc ça monte, ça descend et c'est vraiment génial, regardez. Et là on sort par ici, on finit le parcours juste là, dans cette piscine. Et là on a une autre piscine d'extérieur où on peut faire de l'aquagym. On a des vélos, hein, des pédalos, des vélos pour faire du sport. Et là aussi, il y a des personnes qui font du sport. Et là, on a une entrée pour faire... pour glisser, en fait, c'est pour faire la cascade que je vous ai montrée. Donc, on rentre par ici. C'est un long parcours. Là, on a un grand toboggan. Comme je disais, il y a vraiment beaucoup. Hein, c'était des grands et des très grands toboggans, des petits, des moyens. On peut s'amuser toute la journée, franchement, c'est très agréable. C'est bon, là j'ai fini mon petit tour, j'espère que ça vous a plu. Donc là je vais m'amuser pour la dernière journée avec ma famille, mes enfants. Et ça va être vraiment génial. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Surtout partager si vous avez des amis qui recherchent un endroit comme ça. N'hésitez pas à partager. Likez et commentez si vous avez des questions, je vous réponds à tous les coups comme d'habitude. Merci pour votre gentillesse, tous vos commentaires. Je vous souhaite de passer des très bonnes vacances et bon courage avec cette chaleur. Et mon dernier mot, c'est je vous encourage à venir ici. Franchement, je vous recommande ce lieu magique, très agréable. Vraiment, c'est un dépaysement total. C'est vraiment bien. Bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous adore et à très très vite.